Grand Bassam, la mosquée centenaire, patrimoine à la valeur inestimable. Grand Bassam, patrimoine mondial de l'UNESCO. Parmi les nombreux symboles qui confèrent à la ville son charme, le phare. L'édifice, construit en 1914, se dresse encore fièrement au quartier qui porte son nom. Au pied de ce géant de briques, un édifice religieux. L'histoire de la grande mosquée de la ville, construite il y a plus de 100 ans, s'inscrit aussi dans celle de la Côte d'Ivoire. Il est 13h ce vendredi. Les fidèles musulmans convergent vers la grande mosquée pour la prière du Djouma. La mosquée est comble. L'imam Ibrahim Ndiaye, comme à son habitude, conduit la prière depuis la chaire. Tous ont répondu à l'adhan, l'appel du muezzin. Les musulmans de la grande mosquée de Grand Bassam se comptent par milliers. Un bâtiment centenaire, réhabilité au fil des années sans aucune ride. Ceci grâce à une forte communauté qui investit dans la préservation de ce vestige du passé. Pour mieux comprendre le fonctionnement de la grande mosquée, nous rencontrons l'imam Ibrahim Ndiaye après la prière. Le guide religieux nous replonge dans l'histoire de sa communauté. La mosquée est située au quartier impérial. Il y a le village de Moussou à côté. Ensuite, il y a le quartier France qui était le quartier des colons. Et c'est là-bas qui se situe aussi le WAF. Et vers le sud, il y a comme on dit, le quartier phare, et de l'autre côté, il y a le quartier Congo et Brémacoté. Et ensuite, il y a la gare, la première gare, où tout le monde prenait ses véhicules pour vaquer à leur occupation depuis autant que l'on. Et je m'en souviens que, quand on était plus encore jeune, ici à Bidjan, dans le quart de Lambon, on payait 75 francs. On payait 75 francs. Et pendant ce temps, les 403 et puis les, comment on dit, bâchés dans le temps qui étaient Ousso, prenaient les gens à 100 francs. Bassam, c'est une vieille ville. Un héritage légué de génération en génération. Ici, même les moins âgés travaillent à la pérennisation de cette richesse à la valeur inestimable. Adjatoum Ndiaye en fait partie. L'homme est considéré comme la petite bibliothèque de la mosquée. Ella Yacouma Ndiaye est un imam et planteur à la fois. Il est arrivé en Côte d'Ivoire d'abord en 1900. Et en 1900, il s'est installé d'abord à Djamé Dallas. Il a passé 4 ans à Djamé Dallas. Et en 1904, il est venu à Grand Bassam. Il est venu en tant qu'acheteur de coula pour envoyer ça à l'époque au Sénégal, comme il y avait le WAF, le port à l'époque. Donc quand il est arrivé dans cette cité, il a été accueilli par des familles qui faisaient, il y avait une toute petite place de prière. Donc, étant un intellectuel musulman, il s'est approché, il a commencé la prière avec eux, dans une petite partie.
Donc, au fur et à mesure, ils ont vu qu'il avait un savoir. Donc, ils l'ont approché. Ensuite, il y avait Tal, Chekoutal qui était l'imam à l'époque. Ils l'ont approché pour dire que, ah, comme vous êtes beaucoup influents, vous êtes beaucoup, vous connaissez beaucoup sur l'islam, vraiment, nous voulons que vous soyez notre imam. Autrefois construite en bambou, la grande mosquée de Grand Bassam s'est modernisée, avec elle toute son organisation. Une communauté dans laquelle les femmes occupent une place de choix. Au cœur des actions sociales, elles représentent l'un des piliers de la vie religieuse. La place de la femme au niveau de la communauté musulmane est très très importante. Ça part déjà de la Genèse où, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré l'ange Gabriel, la première personne qu'il a rencontrée après l'ange Gabriel, c'était notre maman Khadija, son épouse. Et Khadija a joué un rôle très important, qui était de l'aider à implanter l'islam. Vous voyez aujourd'hui dans toutes les communautés musulmanes, dans les mosquées, les femmes jouent un grand rôle. Qui met le houssouna dans les mosquées? Qui nettoie les mosquées? Ce sont les femmes. Qui aident les imams? Ce sont les femmes. Grâce aux femmes, aujourd'hui, les imams sont tranquilles. Parce qu'elles organisent même toutes les activités de la mosquée. Elles s'occupent des étrangers. Elles font la nourriture quand il y a des cérémonies. Ce sont les femmes. Contrairement aux apparences, dans l'islam, la femme n'est pas reléguée au second plan. Ce n'est pas parce que la femme prie derrière un homme qu'elle est maltraitée. Pas du tout. Au contraire. La sunna du prophète, la femme priait toujours derrière les hommes. On ne prie pas derrière les hommes parce qu'on est maltraité, on est délaissé. Ça, c'est une mauvaise compréhension. C'est parce que nous sommes des femmes, nous avons des formes. On ne veut pas peut-être déranger les hommes, c'est tout. Voilà, on ne veut pas déranger les hommes. Tu vois une femme qui arrive là, elle est toute belle, elle est bien habillée, puisqu'on dit tous les vendredis, il faut porter le plus beau boubou. Souvent, on porte le plus beau boubou, on porte les bijoux et tout. Mais l'homme est ce qu'il est. On ne va pas laisser mettre devant un homme pour pouvoir s'abaisser pour nous donner des formes. Non, ça, ce n'est pas la prière. C'est pour ça qu'on prie derrière les hommes. C'est pour éviter les difficultés des hommes, c'est tout. Un édifice centenaire et une organisation moderne. Voilà ce qui fait le charme de cette chapelle religieuse. Pourtant, lors de sa construction dans les années 1900, les fidèles étaient loin d'imaginer que ce sanctuaire résisterait au temps. Oumar Balo, le doyen des muezzins de la mosquée, se souvient lorsqu'enfant, il a foulé pour la première fois le seuil de l'édifice. Je suis né en 1938, ici même à Grand Bassam. C'est en 1946 que j'ai été inscrit à l'école coranique chez la famille Ndiaye. Mon père m'a confié au vieux Eladj Yacouba Ndiaye, paix à son âme. Mais je n'ai pas réussi mes cours à l'école coranique. Pour nous, 72, on a fatu. En 1972, le vieux Eladj Yacouba Ndiaye, qui était l'imam de la mosquée, est décédé. Ensuite, le vieux Bala l'a remplacé. Après le décès de Bala, un autre imam lui a succédé. C'était le vieux Diakité. Après le décès de ce dernier, mon père est retourné vers la famille Ndiaye afin qu'un nouvel imam soit désigné pour conduire la prière. Ce que la famille Ndiaye a refusé au départ, avant de finalement accepter la proposition. L'émotion étreint l'octogénaire qui ne cache pas sa satisfaction quant à l'évolution de sa mosquée. Nous ne sommes qu'à deux côtés parce que Monsieur Barala Baratou maintenant. Aujourd'hui, je suis tellement fier de voir cette mosquée, car je n'ai jamais imaginé qu'elle serait aussi belle et propre. Même hier, lorsque je suis entré dans l'enceinte, j'ai pris un balai
pour enlever le sable qu'il y avait sur le plancher. Quand je vois aujourd'hui la moquette, les carreaux de la mosquée, je suis dépassé. Ça me dépasse quoi. Mais le quartier phare, qui abrite l'édifice religieux, a aussi ses enfants, fiers de faire partie de l'histoire de la tour ronde de Grand Bassam. Ahmed Diawara décide de nous emmener sur le toit de la mosquée. La vue ici est incroyable. Entre musulmans et chrétiens, au phare, il y a une parfaite harmonie. Il faut dire que les chrétiens, ils savent toujours que le vendredi, c'est la prière du vendredi. Ici, les musulmans aussi, ils savent que le dimanche, il y a la prière des chrétiens. Donc, comme ça, on ne se marche pas dessus. On sait que vraiment, ils respectent nos religions, nous respectons aussi la leur. Donc vraiment, le Fa, c'est, comme dit le nom du Fa, le P, c'est la prière. Le H, c'est l'humour. Le A, c'est l'amour. Donc quand il y a la prière, il y a l'humour et l'amour. Ça, ça réunit ensemble. C'est ce qui fait le R et le E à la fin. Le Fa. Mais la grande mosquée de Grand Bassam, bien que maire de toutes les mosquées de la localité, a forgé sa réputation sur la cohésion sociale. Un management responsable des communautés afin de préserver la paix dans la ville historique. Une mosquée à Bassam, donc généralement, c'est l'endroit de rassemblement pour toutes nos activités, pour toutes nos informations, pour éduquer d'abord. Une mosquée est faite pour éduquer, une mosquée est faite pour apprendre, une mosquée est faite pour la cohésion sociale, parce qu'il n'y a pas d'identitaire à la mosquée. C'est une seule croyance, une seule voie qui nous amène vers la mosquée. Et quand on est dans une mosquée, comme Dieu l'a dit, « Wa an al-masaj dalillah » les mosquées sont pour que Dieu. Quiconque se réfère à Dieu se retrouve à une mosquée. Et la mosquée, c'est le symbole de l'islam. La famille Ndiaye, garant de cet héritage religieux, n'attend qu'une seule chose de la part de l'État de Côte d'Ivoire. La place visante de cette mosquée dans l'histoire, il faut qu'elle soit reconnue dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, c'est une mosquée centenaire. Je peux dire même que ce n'est pas pour vous flatter. Tout est parti de cette mosquée à Bassam. Tout est parti de cette mosquée de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu vas regarder en Côte d'Ivoire, une mosquée qui a une histoire comme cette grande mosquée-là, bon, il y en a sous peu. Il y en a peu. Puisque même en 1960, quand le drapeau ivoirien devait être monté en août 1960, c'est avec l'accord de tous les imams de Côte d'Ivoire à l'époque, avec Oufo Boigny, ils ont envoyé le drapeau ivoirien dans cette même cour. À la mosquée d'abord, et après ils ont transféré ça à la cour ici. Le doyen Elaï Yakoumandjé a prié sur le drapeau et elle a dormi dans cette chambre-là. Vous voyez cette maison-là, c'est ce que le drapeau a dormi. Inscrire la grande mosquée de Grand Bassam au patrimoine mondial de l'UNESCO serait reconnaître la place de l'édifice dans l'histoire de la Côte d'Ivoire moderne. Une histoire qui continue de s'écrire dans la laïcité et la foi en Allah.